Bonjour à toutes, ce vendredi je ne vous retrouve pas pour un tuto Halloween, mais pour un nail art effet jean, très facile pour débutants. Je vais d'abord créer les pochoirs, donc j'ai posé du masking tape ou du scotch sur du papier cuisson et je vais découper une forme comme ceci que je vais coller sur l'ongle. Vous pouvez bien sûr faire directement la forme avec le pinceau du vernis, là je vous montre la solution vraiment très facile. Ensuite j'ai pris ce vernis, donc c'est un magnétique mais ça n'a pas d'importance, c'est juste que je trouvais que la couleur faisait vraiment la couleur d'un jean en fait. Donc je l'applique sur tout l'ongle, j'ai d'abord posé ma base hein, bien sûr avant. Je l'applique donc en deux couches et ensuite je vais retirer délicatement les pochoirs. Donc il y a des endroits où ça fait pas très net mais c'est pas grave, on peut rattraper avec un petit pinceau ou alors directement avec le pinceau du vernis. Donc les formes sont très aléatoires, je n'ai pas fait les mêmes sur tous les ongles. Ensuite j'ai pris de la peinture acrylique blanche que j'ai diluée et que j'ai appliquée sur un fan brush et ensuite je vais tout essuyer pour qu'il ne reste presque plus rien sur le pinceau. Et je vais simplement faire un ou deux coups de pinceau maximum sur l'ongle. Donc il ne faut pas que ce soit hyper blanc, il faut bien la diluer pour pas que ce soit trop opaque. Et donc ça donne ce résultat. J'ai ensuite gratté ce qui avait débordé sur le triangle qui reste. Pourquoi je n'ai pas posé la peinture quand il y avait les scotchs? Tout simplement parce que si je laisse trop sécher le vernis, quand je retire les scotchs, ça arrache trop de... Enfin, ça fait pas net du tout. Donc c'est pour ça que j'ai préféré faire ma peinture après, parce que je savais que ça allait bien se gratter. Ensuite, avec de la peinture acrylique et un petit pinceau de détail, je vais faire les coutures. Donc c'est une ligne de gros pointillés et une ligne de... pointillés tout fins. Pour l'effet fermeture éclair sur l'annulaire, j'ai pas fait des pointillés mais j'ai fait des petits traits du coup dans l'autre sens, à l'horizontale au lieu de les faire à la verticale. Et ensuite j'ai dessiné deux grosses boules blanches pour faire la fermeture et à l'intérieur j'ai remis du vernis de base pour faire cet effet. J'ai recouvert le tout de top coat matifiant pour un effet plus réaliste et j'ai ajouté le petit strass, ça je ne peux pas m'en passer. Donc vous pouvez réaliser ce nail art aussi avec du vernis blanc plutôt que de la peinture acrylique. C'est juste que je trouve que c'était un petit peu moins joli et c'était plus grossier en fait. Et disons qu'avec le vernis on ne peut pas se rater. Une fois que le trait est fait et s'il est raté, ben c'est un peu trop tard, on doit tout recommencer. Tandis que la peinture, vous allez pouvoir l'effacer plusieurs fois avec de l'alcool. Voilà, je vous donne rendez-vous vendredi prochain et n'hésitez pas, comme je le dis d'habitude, à me suivre sur mon compte Instagram ou Facebook. En attendant, la semaine prochaine, à bientôt !